vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo détente. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. J'ai la forme, tout simplement. Je suis content parce que je viens de retrouver tout simplement mon internet. Donc, j'ai été coupé là pendant un moment. Les téléphones passaient plus. Enfin, bref, c'est un peu la même merde, hein. Ils annoncent des orages, tout simplement. Donc, j'essaye de faire la vidéo avant que ça craque dans le coin ici. Donc, on est mardi soir, tout simplement. J'essaierai de vous la poster pour demain. Donc, on verra bien si j'y arriverai ou pas. Après, ça dépend du temps que je vais avoir, tout simplement. Donc, dans le dernier épisode, on avait fait un ensilage. Donc, j'ai fini l'ensilage. Tout simplement. Et donc, vous voyez, j'ai bâché le tas. Il est à 19% à peu près. Au niveau des couchons, je n'ai rien fait parce que j'ai pas été plus que ça dessus. Et donc, tac, on va réussir à trouver. Voilà. Donc là, j'ai refauché mon champ une deuxième fois. J'ai commencé à refaire des bottes. J'ai une petite merde là tout à l'heure. Je sais pas trop pourquoi. Avec la presse ronde. Donc, bah, du coup, j'ai laissé tomber. J'ai revendu. J'ai racheté une autre. Tout simplement. Donc ça, on verra plus tard, tout simplement. Là, on va juste, en fait, envoyer notre gros pépère ici, tout simplement, à déchaumer notre petit champ. Bien sûr, si je joue comme ça, ça va pas le faire trop de... trop. Donc, en fait, en gros, aujourd'hui, normalement, vous aurez... enfin, mercredi, donc, vous auriez pas dû avoir ce genre de vidéo, tout simplement, parce que... je devais normalement jouer un peu à la ligue farming. Donc du coup c'est tombé à l'eau parce qu'il manquait du personnel. Donc du coup bah, tout simplement j'ai pas pu rec. Je vais juste baisser le son parce qu'il me paraît un petit peu fort. Voilà. Tac, donc on va lui détourer le champ hein, parce que connaissant le PPR. Donc du coup ouais j'ai pas pu. On n'a pas pu faire l'entraînement tout simplement. Donc du coup c'est vrai que du coup je me suis rabattu un peu sur la Hofbergmann parce que c'était une vidéo que j'avais envie de vous proposer, un peu une ou deux games qu'on aurait pu faire, voilà, les recs, et vous les proposer tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc du coup bah, ce sera plus tard. Peut-être qu'on va en faire ce week-end de la ligue. Donc du coup peut-être que dans ces cas-là je vous proposerai un stream sur la ligue, à voir un peu comment ça va se passer. Ça dépend pas forcément de moi, ça dépend un peu de tout le monde en fait. Si voilà, chacun a sa vie, chacun a ses trucs. Donc voilà, tout simplement, bah, tout le monde peut pas forcément être dispo tout le temps au même moment. Donc voilà, hein, c'est comme ça. On a tous une vie privée, des occupations, donc bah, ça se comprend tout simplement. Donc voilà, donc on verra bien si ce week-end on en fait ou pas. En tout cas, je me tiendrai au courant tout simplement au fur et à mesure des jours qui vont passer là, tout simplement. Et comme ça, bah, au moins je vous le proposerai, je pense, en stream sur Twitch. Et puis bah, au pire, j'essaierai de faire des recs, des condensés de la partie, enfin de recs en même temps. Comme ça, bah, je pourrais rebasculer ça sur comment dirais-je, sur YouTube tout simplement. Parce que voilà, comme j'avais déjà dit dans les autres vidéos, j'ai envie de différencier les deux chaînes tout simplement. Donc ouais, il est 21h30 là, on est mardi soir, donc c'est vrai qu'après la journée des fois c'est un peu compliqué, surtout on a un temps qui est assez lourd là. Donc on est en alerte jaune, on devrait avoir de l'orage dans la nuit. Ils avaient annoncé, je vous dis aussi, de l'orage ce matin, mais étonnamment, moi je n'ai rien vu arriver. J'ai juste vu la pluie arriver sur les coups de 11h à peu près. Donc pareil, les vidéos normalement devraient commencer à revenir à peu près à la normale, c'est-à-dire à peu près 3 vidéos par semaine. Plus les lives, parce que là je suis un peu plus disponible. Donc ce week-end il y aura énormément de lives, je pense. Hein. Vendredi soir à samedi soir, il y aura des lives sur YouTube. Sur Twitch, pardon, excusez-moi. C'est quasiment sûr. Vendredi c'est sûr il y aura. Donc voilà les bois loup pour ça. Autrement avec l'original team, donc le savageon d'un prix, on a retrouvé une nouvelle carte. Vous saviez qu'on avait arrêté tout simplement de jouer sur le paysage du moulin de Midland parce qu'on commençait à avoir des lags et
Et en fait, on était éjecté de la partie. Donc du coup, bah, ça a été réglé. On est arrivé sur une nouvelle carte. J'ai recommencé un peu à créer la ferme. Donc du coup, tout simplement, on verra pour faire des vidéos aussi là-dessus où je vous présenterai un peu la ferme. Enfin, je veux pas vous spoiler ça. On en parlera quand on sera dessus. J'ai plus le nom de la map là en tête exactement. Donc bah du coup, ça va être difficile pour moi de vous comment dirais-je, de vous donner le nom parce que je m'en rappelle plus. J'ai dû aller deux fois dessus, tout simplement. Donc c'est vrai, j'ai seulement démarré, j'ai dû faire un champ de blé, c'est tout. Donc depuis, j'ai pas vraiment été dessus, et donc voilà pour ça. Et puis bah, je voyais aussi qu'il y avait une nouvelle. Je voulais aller là tout à l'heure dessus, tout simplement pour jouer dessus et avancer un peu ma ferme, mais bah, j'ai pas pu aller parce que bah, déjà moi j'ai une coupure internet, j'ai seulement de récupérer internet. Enfin, c'est un peu le merdier là en soirée, là je sais pas trop. Apparemment, il n'y avait que mon secteur de chez moi autour de Paimpol qui était un peu emmerdé. Enfin, en fait, moi je suis entre deux ponts, donc aux extrémités des ponts, tout simplement, pour vous imaginer un peu le truc, tout simplement, apparemment, c'était un peu mieux que nous. Donc, eux n'avaient pas ce problème-là d'internet, tout simplement. Donc, ouais, je sais pas, c'était bizarre, c'était localisé apparemment par ici. Donc, que c'est passé au juste, j'en sais rien. Le principal, c'est qu'Internet soit revenu. Donc, du coup, bah, j'ai pas pu aller sur le serveur parce que, bien évidemment, j'avais pas encore téléchargé la mage 1.4 ou je sais pas quoi là. Que je viens de commencer à faire. J'ai regardé un peu autour de moi ce qui se passait avec la nouvelle mage. Apparemment, il y a énormément de bugs. Surtout sur la Hofbergmann, apparemment, il y aurait des bâtiments qui comment dirais-je, disparaîtraient. Et ainsi de suite, pas mal de bugs apparemment et la nouvelle mage là. Donc je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre peut-être demain qu'il fasse un correctif, que ce soit réparé, machin. Je sais pas, on va voir, on va peut-être attendre un peu quand même au cas où. Tout simplement parce que j'ai pas envie de perdre ce que je suis en train de faire là-dessus, là, sur la Hofbergmann. Bon, c'est sûr qu'on n'avance pas très vite, hein. On n'a toujours pas acheté nos vaches, mais bon après. Voilà, on a le temps, on n'est pas pressé, hein. FS19 n'a que quelques mois, donc on aura tout le temps durant ces 2 années-là d'avancer sur cette carrière. Donc non, merde. On va les faire prendre un peu d'avance, du coup après on mettra un ouvrier. Et on ira chercher le semoir. Par contre le problème qu'il y a, c'est que je suis en train de réfléchir que. Ma presse est sur le LED 1050, je vais avoir besoin du 1050 à aller chercher. Donc, du coup, ouais, je sais pas, faut voir, faut attendre, je pense, tout simplement pour la nouvelle mage, là, voir un peu si vont faire les corrections. Il y en a qui disent, j'ai entendu dire, soi-disant, ça change les textures, je voyais pas trop. Enfin bon, on verra bien de toute façon. Donc il y a pas mal de choses qui arrivent, il y a cette carte-là qu'on va continuer, il y a la nouvelle carte en multijoueur avec l'Original Team qui va être présentée aussi. Je vais essayer de vous la présenter dans le week-end sans être trop sûr de pouvoir le faire. Il va y avoir des streams sur la ligue aussi. Et puis des vidéos sur la ligue aussi, hein, tout simplement. Alors voilà, je débute, hein, tout simplement. Je suis avare de découvertes, donc on verra bien que ça va donner, où on va en arriver avec tout ça. Mais bon, la dernière fois j'ai parlé de ça, donc on va pas tout simplement continuer là-dessus à chaque vidéo de parler de la ligue, de la ligue, de la ligue. Mais voilà, c'était juste la parenthèse pour vous dire que je vous en proposerai tout simplement. Donc voilà, voilà pour tout ça. Et du coup, sur la dernière vidéo, je voulais faire un coucou Ben qui m'avait laissé un petit commentaire. Donc je te fais un petit coucou. Et donc voilà pour tout ça, tout simplement. Donc du coup, c'est vrai que bon, c'est comment dirais-je, c'est pas mal de petites choses. Je vais pouvoir revenir un peu plus assidu sur la chaîne parce que c'est vrai que là depuis enfin, 3 semaines plutôt, on va dire plutôt 3 semaines, j'avais plus de mal à faire les vidéos et tout ça, vu que nous au boulot là ça se calme énormément. On est en train
de finir nos vieux artichauts, de finir les coupes, de vider. Donc c'est vrai que ça fait un peu du bien là de voir que ça calme un peu. Ce tour, pendant 10-12 heures, être au taquet et sortir des quantités. À un moment, ça tire un peu sur la couenne, sachant que les nuits, des fois, sont courtes. Dans le sens où, voilà, j'ai ma vocation de pompier volontaire qui est là, donc des fois, ça m'arrive que je pars en plus. Et puis voilà, la vie de famille, hein, j'ai deux petites filles, enfin une moyenne et une petite, on va dire. Donc du coup, des fois, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de trouver du temps, de réussir à vous reposer. Pour vous dire, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Samedi dernier, enfin vendredi soir, je suis allé me coucher très tôt, étonnamment très tôt, ce qui est pas dans mon habitude. Et d'habitude, je suis réveillé très tôt aussi. Ça, c'est la joie d'être papa, et voilà. Et là, bah, pour une fois, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. On va mettre l'ouvrier. Ma femme m'a tout simplement réveillé. Il était midi. Tout simplement. Bon, lui, on va le détacher là. On reviendra le voir plus tard, lui. Et donc, du coup, ma femme m'a réveillé. Il était tout simplement midi. Donc, waouh! J'ai putain, j'ai bien dormi. Et à 2h30, bah, j'étais de retour dans mon lit, je me suis rendormi. Donc ouais, ça se voit que c'était. Qu'il était temps que je dorme un peu parce que bah, tout simplement ça me tirait dessus. J'étais vraiment très fatigué. Donc du coup, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos à cause de ça. Parce que je suis un gros dormeur, mais ça faut pas le dire. Non, non, je déconne, trêve de plaisanterie, mais c'est vrai que c'était assez compliqué. Les vacances au mois d'août vont arriver, donc là je pense que je serai vraiment assidu ou j'aurai vraiment possibilité de pouvoir. Désolé, c'est mon téléphone qui sonne. Donc c'est madame qui est au lit, qui m'envoie tout simplement un texto et qui. Ah oui, d'accord. Donc vous voyez, moi je suis dans le bureau, ma femme est en haut avec les petites, elle m'envoie un message pour me dire qu'il y a un truc à faire. Donc du coup c'est pour ça que je regardais mon téléphone tout simplement. Du coup elle m'en a fait perdre mes moutons. Voilà, mon sommaire. C'était le sommaire. Merde, c'était mon sommaire que je cherchais tout simplement. Tac. Plouf, plif, plaf, plouf. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Du clover, non, j'ai pas une clover. Les hoches, avant, que ce jeu. On va mettre un soja. On va mettre du soja, les gens. On va mettre du soja. Sachant que je n'ai pas mis d'engrais. J'ai mis la chaux, mais j'ai pas mis l'engrais. Bon, c'est pas grave, je vais remettre un coup d'engrais après derrière la semis. Et d'habitude, je mets toujours mon engrais avant d'avoir. Comment dirais-je? Mais qu'est-ce qu'il me fait cet indien là? Oh mais t'es sérieux sans déconner, je te fais deux fois la fourrière et tu trouves le moyen de. Oh. Oh putain, lui il est en. Heureusement que lui il joue pas la FSL parce que ce serait compliqué là. Merci. Donc du coup voilà, un peu pour tout ça et. Ah putain il m'énerve l'ouvrier là, sans déconner, c'est un truc qui me saoule. C'est pas normal qu'il. Enfin bon, bref, on va pas s'énerver sur le pépère. Mais si vous voulez, il a pas toutes les frites dans le même paquet. Hein. Il doit être sûrement belge, je pense. Belge une fois. Non, j'ai rien contre les belges, pour rigoler, c'est pour taquiner un peu Cédriac tout simplement. Bah heureusement j'ai fait quelques tours parce que j'ai l'air d'aller un peu plus vite que lui. Ah bah c'est impeccable, j'avais oublié que celui-là mettait l'engrais en même temps. Donc c'est plutôt pas mal. Eh non mais t'es sérieux, tu vas pas me laisser décarrer tous les. Wow. Attendez, on va essayer de se mettre droit d'ailleurs, ce sera pas mal. On est en train de critiquer son boulot, mais j'ai envie de vous dire, je suis pas beaucoup mieux que lui là. Tac. Allez, on est reparti. Donc voilà, donc ce week-end il y aura des lives, il y aura moins de 2 lives, ça c'est quasi certain. Donc du coup, ben, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne Twitch. Je vous ferai une petite vidéo, je pense, le samedi matin pour vous dire, voilà, rejoignez-moi sur la chaîne Twitch ce soir vers 21h30, ou comme dans le genre, je pense, que je vous ferai tout simplement
pour vous avertir que bah voilà, je serai en live sur Twitch et tout simplement. Comme ça au moins ceux qui sont pas habitués ou qui suivent pas forcément Twitch, là le seront. Et c'est pas plus mal comme ça. Tout simplement. Bon, on va peut-être faire la fourrière, comme ça au moins ça ce sera fait. Donc et puis samedi, je pense essayer de vous proposer une vidéo présentation de. Oh, il m'énerve, le voyez, mais il m'énerve. Une présentation tout simplement donc de la map multijoueur sur laquelle on est sur le serveur à Jouon dans le pré. Oh, toi t'as un indien aussi, tiens. Oh là là. Du coup on va peut-être changer un peu la trame du coup. Tout simplement. On va mettre un ouvrier à semer si l'ouvrier pour semer est capable de semer correctement, ce qui m'étonnerait aussi fortement, bien évidemment. Sinon ce serait pas drôle. Donc on va ramener celui-là là-haut. Donc, ouais, c'est franchement pénible de voir les conneries qu'il fait là. Je comprends pas pourquoi il s'arrête. Enfin, ouais, non, je comprends pas. À un moment, je sais pas, ou c'est moi qui. Ouais, j'en sais. Franchement, oh. Attends. On va aller chercher Pépère. Normalement, je suis fertilisé à 50%. J'aurais un peu à remettre à la levée de la semi. La première pouce, je vais en mettre un peu d'engrais, comme ça au moins ça ce sera fait. Et il y en a Roger ou Robert ou Marcel ou incompétent ou ce que tu veux. L'ouvrier H est bloqué par le bail. C'est normal, c'était moi l'objet. Je suis l'objet de tes désirs. Enfin bon bref, là on s'écarte un peu du sujet. Tac. On va rattraper comme ça, nous on va continuer à la bourrer la terre avec le décompacteur là. Tac. Bon, avec 500 chevaux devant, je pense que je traîne assez facilement, quoique je pense que ça doit demander pas mal de puissance chaque dent là. Plus de tracteurs qui demandent un minimum de puissance pour que lui puisse déjà avancer. Mais ouais, par curiosité, il faudrait que j'aille voir sur internet, tiens, voir comment ça demande en puissance, ce genre de choses. Ce serait pas mal à savoir. Juste par titre d'info, est-ce que c'est pas marqué tout simplement Ah ouais, mais attendez. Non, j'étais là-dedans. Et c'est celui-là que j'ai pris en 8 mètres, 420 chevaux, ouais, mais ça me dit pas combien, pardon. Non, je pensais que c'était... J'ai jamais fait gaffe de savoir si c'était marqué ou pas dans les trucs, mais je sais qu'il y a une puissance, pardon. Donc, du coup, je me dis, avec un peu de chance, c'est peut-être marqué, tout simplement. Mais je vois que non, tout simplement. Donc, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, du coup, tac, on va rattraper ça là. Il va me casser les pieds, bien sûr. Ouais, je vous jure, là, s'il fait pas en plus des boules, c'est bon. Mais là, je vais pas tout prendre d'un coup aussi. Ouais. Non, je prends pas tout d'un coup. Tant pis. Donc, on va... Ouais, vas-y, c'est bon. On va pas s'emmerder pour... 3 francs 6 sous là. Donc, tac. Donc on va remettre celui-ci là. Voilà, tout simplement, je pense que ce sera pas mal. Et on va faire hop, la petite vidéo le petit screenshot, si je vous dis pas de conneries, ça va être celui-là. Ouais, yes, c'était ça. C'était Alt F1, je savais plus. Donc la petite miniature, tout simplement. Lui, on va le mettre en place. Prêt à travailler. Touk. BV. Il faut jouer avec mon volant, je sais pas pourquoi. J'avais... mis des annotations à mes touches et
Je sais pas pourquoi, elles se sont barrées. Donc faut que je re-règle mon volant, tout simplement. Donc moi j'espère sur ce la vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus et de commentaires. C'est toujours la petite récompense qui fait plaisir. Et me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir ou pas voir. Ou, enfin, plutôt voir quand même, parce que pas voir, ça pourrait faire peur. Donc bah moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao ciao les amis.